Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing, donc un unboxing partenariat avec la boutique en ligne Kuhol. Donc vous connaissez cette boutique, je vous ai déjà fait deux ou trois unboxings de chez eux. Et donc ils m'ont demandé de rechoisir des produits, donc je vais vous présenter tout ça. Alors, pour info, j'ai commandé le 10 mai, donc le 10 mai 2021, et je l'ai reçu. Attendez, parce que j'ai pas eu le temps de tourner ce week-end, je l'ai reçu quand ce colis? Je l'ai reçu le 22 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Voilà, j'ai vraiment pas eu le temps ce week-end de faire d'unboxing, donc je l'ai reçu. Oui, c'est ça. Le 22 mai, donc du coup, ça fait 12 jours. Donc, ça a été extrêmement rapide. Et cool, on reconnaît immédiatement leur colis par rapport à leur paquet noir. En général, ce sont des sachets un peu plastiques gris. Et chez cool, c'est tout le temps des noirs. Alors, par contre, j'ai quand même ouvert vite fait ce week-end pour vérifier que c'était bien ça quand même. Et j'ai bien fait parce qu'il y avait une couche, vous voyez, de bulles. Impressionnante, j'ai lutté pour l'ouvrir. Donc à la rigueur, j'aurais peut-être dû l'ouvrir par là. Donc on va regarder ça ensemble. J'ai commandé uniquement deux produits chez eux parce qu'il y en a une des deux qui coûte assez cher en fait, mais que j'avais vraiment envie de tester. C'est une nouveauté, j'ai jamais vu ça ailleurs et j'étais vraiment très intriguée. Donc je me suis dit j'aurais dû l'ouvrir par l'autre côté, j'aurais peut-être moins galéré. Je me suis dit, il faut qu'on teste ça. Alors, Yoshi, tais-toi. Stop. Donc, vous voyez, c'est très, très bien emballé. C'est emballé dans des bulles. Alors, malheureusement, j'ai l'impression que le carton en dessous, il est quand même complètement écrasé. Mais ils font tout ce qu'ils peuvent, on va dire, pour bien nous envoyer ça. Alors, le carton, il est complètement explosé en dessous. Bon bah du coup j'ai trois produits. Ok, donc j'ai un petit cadeau de leur part, ça je savais pas. Ah bah oui, ok. Bon, on verra ça après. Un produit, deux produits. Alors on va garder le plus gros pour la fin, tant qu'à faire. Donc le premier produit, ça n'a rien à voir avec la saison du moment. C'est quelque chose qui est pour Noël. Alors je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. D'accord, ok. Non, je pensais pas du tout que ça serait comme ça. Je suis un peu déçue. Alors, je vous montre. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, d'accord, c'est en deux parties. Ok, alors. Donc, voilà, c'est pour Noël. À la base, c'est un calendrier de l'Avent, voilà. un calendrier de l'Avent pour mettre des petites choses pour les enfants. Donc, je m'attendais ça à avoir ça en style un peu feutrine. Et en fait, ce qui a diamanté, c'est seulement les petits objets qu'il y a là. Et je m'attendais à ce que ces petits objets-là soient recouverts de plastique et puis qu'il faut les diamanter. En fait, non, ça n'a rien à voir. C'est un stickers. Voilà. Donc, ça... Je vais vous montrer en bas plutôt. Ah non, c'est carrément tout le truc qui se... Bon, alors toute la feuille est en sticker, c'est en fait, ce sera à moi de découper autour du sapin pour qu'on ne voie pas les instructions autour. Alors, est-ce que je vais y arriver? Non, ce matin, ça ne veut pas. Enfin bon, voilà, vous voyez, c'est bien du stickers. Par contre, j'aurais bien aimé... l'ouvrir pour que vous voyez, puis même moi voir ce que ça donne. J'arrive pas du tout. Donc ils nous disent bien autour, je vais vous montrer, ils nous disent after finishing, donc une fois que on a fini le travail, utilisez les ciseaux pour couper sur la ligne from starting point, point de départ. Bon, j'arrive pas. Il n'y a rien à faire, j'arrive pas. Donc, vous voyez, on a un petit...
Voilà. Donc il faudra découper autour du sapin et donc coller ça sur mes carreaux du coup, mais moi je voyais pas du tout ça comme ça. Moi je pensais vraiment que c'était voilà, je pourrais mettre des petits trucs pour mes enfants tous les jours. Bon bah écoutez, voilà ce que ça donne. Donc bon, j'ai jamais vu ça ailleurs. Il y a quand même pas mal à diamanter, hein, vous voyez, il y a tous les petits objets. Faudra que je le mette bien à plat par contre, parce que du coup il est bien roulé. Alors, ça colle plutôt bien, hein, ça va. C'est assez joli, mais franchement, si j'avais su, ils ont d'autres modèles sans les petits sachets. Là, si j'avais su que c'était pas des vrais petits sachets, j'aurais pris un autre modèle pour mettre sur mes carreaux, parce que là, pour le coup, ça sert à rien, quoi. C'est fake, donc je suis pas très fan de cette partie-là. En revanche, cette partie-ci, je la trouve vraiment très jolie. Donc, dedans, on a le toolkit de base. Et apparemment, on a 9 couleurs. Donc, j'ai le petit tableau qui est juste ici. Il n'y a pas de DMC, il n'y a rien. Les symboles, ils sont très très simples. On a du 1 au 8. Donc, ce sont les couleurs de 1 à 8. Et après, on a du A. Ça doit être... Ouais, il y en a un là sur le bonnet du Père Noël. Bah, d'ailleurs, c'est le seul et l'unique. Ça doit être une forme spéciale, quoi. Alors, voyons voir ce qu'on a. Ok. Donc, ce sont que des strass spéciaux. On a les DMC sur les sachets. Et donc, on a plusieurs couleurs. On a du argenté, on a du rouge, du bleu, du marron qui tire un peu vers le jaune, du orange, du noir simple. C'est pas un strass spécial. Du rose. Et voilà le fameux, la fameuse forme spéciale. Mais alors, c'est trop marrant parce qu'il n'y en a qu'un seul et ils m'en ont foutu la dose. Donc ça, là-dessus, il n'y a rien à dire, quoi. Je regarde quand même, mais... Il n'y en a même pas... non, il n'y en a même pas ailleurs. Il y a juste un seul A, là. C'est le A. Vous avez vu tout ce qu'ils ont mis? C'est incroyable. 2, 4, 6, 8, 10... Il y en a au moins 20 dedans. Bon, bah écoutez... Ça, là-dessus, il n'y aura pas de souci à se faire. Il y a la quantité qu'il faut. Voilà. Donc, pour info, si ça vous plaît, moi je suis un peu déçue, je l'avoue, mais si vous, ça vous plaît, ce genre de stickers est au prix de 6,56€. Voilà, sur le site de Kuhaul. Alors, je le renroule et puis je pense que je l'aplatirai. Je ne vais pas le faire maintenant, hein, je vais le faire que pendant la période de Noël. Donc, vous reverrez ça aux alentours de novembre, décembre, certainement. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est le cadeau qu'ils m'ont mis à l'intérieur. Donc, je vais vous le montrer. Je pense que, à la base, c'est un cadeau pour moi qu'ils m'ont fait. Mais je pense que moi, ça va être un cadeau pour vous. Voilà, déjà d'une, parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas, je vous ai pas offert quelque chose. Et deuxièmement, c'est très gentil à Kuhaul d'avoir voulu me faire un cadeau, mais le problème, c'est que cette toile-là, je l'ai déjà. Tiens, un petit élastique. Donc, elle est magnifique. Cette toile-ci, je l'ai déjà. C'est Jasmine. Voilà, Jasmine dans les teintes violettes. Donc, merci beaucoup, Kuhaul, de m'avoir offert ce cadeau. Mais du coup, je vais en faire profiter mes abonnés parce que, bah, il n'y a pas de raison pour que eux, ils profitent pas non plus. Donc, du coup, vu que je l'ai déjà, eh bien, ça tombe très bien. Comme ça, je vais pouvoir vous la faire gagner. Donc, je vais vous expliquer un petit peu cette toile-là et après, je vous expliquerai comment procéder. Alors, je vous arrête tout de suite. Ne me mettez pas « je participe » dans les commentaires. Je vous expliquerai après comment participer, mais ne mettez surtout pas ça, sinon j'efface les commentaires. Tous les mots que je vais voir comme « je participe », comme « concours », je supprimerai les commentaires parce que j'ai l'impression que même en mettant des mots-clés, déjà, il y a des gens qui se rendent compte qu'il y a des choses à gagner et du coup, ils font comme tout le monde. Donc, dès que vous mettez « je participe à ton concours » ou « merci pour ton concours », bah alors là, c'est mort. Hein. Il y a tous les vautours qui débarquent. Donc, surtout, ne mettez surtout pas ça dans vos commentaires, sinon je les supprimerai. Je préfère être honnête avec vous et vous le dire. Voilà, donc c'est une toile en 35 par 45. Donc c'est super parce que au final, vu qu'il y a des bords blancs,
Eh bien, ça, c'est un vrai 30 par 40. Voilà. Donc, ils disent que c'est une 35 par 45, mais vu qu'il faut qu'on retire 5 cm autour, c'est un vrai format 30 par 40, comme on peut voir sur AliExpress. Donc, vous voyez, elle est vraiment magnifique. Je pense qu'au niveau de la taille, elle est vraiment très, très bien. Et elle est vraiment très, très jolie, quoi. Voilà. Donc, la petite Jasmine en violet avec son papillon. Donc, une taille 35 par 45. Vous avez 23 couleurs. Donc, vous avez les références DMC. Donc, je le répète parce que j'ai des nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Les références DMC, ce sont des couleurs normalement qui sont universelles. Mais malheureusement, chaque vendeur a des bains et des teintes de couleurs différentes. Ce qui fait que, par exemple, le 154 chez Kuhl, bah, ça se trouve, va être légèrement plus violet que sur une autre boutique. Et du coup, c'est compliqué de mélanger les couleurs d'une même teinte. Alors qu'à l'origine, ça doit être la même teinte. Voilà. Au niveau de la colle, ça colle plutôt bien. Il n'y a pas de souci. J'ai oublié de vous dire, mais ce sont des diamants ronds. Donc, on va regarder les diamants après. Je vais vous montrer l'impression de la toile. Franchement, elle est très, très bien imprimée. Alors bon, dans le blanc, il n'y a jamais trop de soucis. Hein. Ouais, c'est du blanc. Là, vous ne voyez pas forcément, mais même dans le noir, franchement, les symboles ne sont pas flous. Je ne vous dis pas que vous n'auriez pas besoin de tablette le soir parce que tout ce qui est au niveau de ses cheveux, c'est assez foncé, mais c'est très, très bien imprimé. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'impression, c'est très, très bien imprimé. Dedans, vous aurez un toolkit de base comme ceci. Voilà. Et vous aurez les diamants. Alors, je ne vais pas les ouvrir. C'est magnifique. Ils sont rangés dans des sachets zippés. Voilà. Et donc, ils sont super bien rangés. Vous avez les petits numéros dessus comme ça. Donc, de 1 à 23. Bien évidemment, le 23, c'est le gros paquet de blanc, là. Voilà. Et du coup, bah, vous avez tout ça comme couleur. Hop. Voilà. Donc, du coup, pour participer, pour gagner cette toile, je le redis encore une fois, ne me mettez pas « je participe », ne me mettez pas « merci pour ton concours », parce que je supprimerai ces commentaires. Vous marquez tout simplement un commentaire en rapport avec Jasmine. Voilà, donc Jasmine, ça s'écrit J-A-S-M-I-N-E. Vous mettez ce que vous voulez, peu importe. Alors, si vous ne voulez pas participer pour la gagner, vous pouvez mettre un commentaire sans le mot Jasmine, il n'y a pas de souci. Si vous voulez participer pour la gagner, vous me mettez un commentaire comme « elle est jolie Jasmine, j'adore Jasmine, trop belle ta Jasmine », enfin, vous me mettez ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait le mot Jasmine dedans. Voilà. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je posterai cette vidéo, parce que là, aujourd'hui, ça va être journée vidéo pour moi. Je vais en tourner pas mal, du coup, je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre. Par contre, sachez que dès que cette vidéo, là, aujourd'hui, pour vous, le jour où elle est sortie, je vous laisserai 7 jours pour tenter de gagner cette toile. Voilà, 7 jours plus tard, je ferai un tirage au sort et je vous mettrai le résultat sur ma chaîne. Voilà. Donc, bah écoutez, les conditions, c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, hein, faut que vous habitiez en France métropolitaine, donc vous pouvez habiter en Martinique, ça ne me pose pas de soucis, dans les dom-toms, mais il faut absolument que vous soyez en France, parce que les frais de port, que ce soit pour la Belgique, pour le Canada ou pour la Suisse, je suis vraiment désolée, mais ils sont exorbitants et je ne peux pas me permettre voilà, de payer. Je l'ai fait au début, hein, je disais rien, mais maintenant, c'est plus possible, quoi. Donc voilà, il faut que vous habitiez en France, quoi qu'il arrive, que vous soyez abonné à ma chaîne et que vous me mettez un commentaire, bien évidemment. Une fois le tirage au sort effectué, il faudra aussi donc, que vous regardiez la vidéo du tirage au sort parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent, mais ils ne regardent pas la vidéo du tirage au sort. Comme celui que je vous ai fait la dernière fois pour les 1 an de ma chaîne, j'ai le lot que Stéphanie voulait offrir, elle se l'est gardé sur les bras. Et moi, j'ai, il me semble, 2 autres personnes qui ne se sont pas manifestées. Donc maintenant, je vous ai dit, hein, je ne me prends pas la tête à refaire des tirages au sort, mais je vous en supplie, si vous regardez ça, que vous voulez participer pour la gagner, regardez le tirage au sort, parce que
Si vous vous en foutez et que vous récupérez pas l'eau, bah vous faites perdre de la toile à quelqu'un qui vraiment ça lui fera plaisir quoi. Donc regardez le tirage au sort. Voilà. Donc les conditions sont simples, être abonné à ma chaîne, laisser un commentaire avec Jasmine à l'intérieur et habiter en France. Voilà. Donc merci Kuhol, c'est très généreux à vous. Et ensuite, eh bien écoutez, on va finir avec la dernière chose. Donc ça, je suis impatiente et curieuse de regarder avec vous. Alors, l'état du carton me fait un peu peur, je l'avoue. Voilà, donc le carton est complètement explosé. Mais en fait, c'est un miroir et en même temps qui fait l'emplaid. Alors franchement, c'était assez flou. Sur leur site, on voyait bien que ça faisait et miroir et lampe. Mais ils ne montraient pas du tout le fonctionnement. C'était vraiment, je ne sais pas du tout ce que je vais avoir. Là, je vous ai dit, j'ai fait vraiment deux tests sur les deux produits que j'ai pris. Bon, le premier n'est pas très concluant. J'espère que celui-ci va être vraiment très bien, quoi. Voilà. Donc, derrière, je vois des instructions. Rotate up to unlock. Change the photo. Ouais. Bah, écoutez, on va ouvrir hein, parce qu'il y a des instructions. Mais je sais que c'est à LED. Je sais que c'est un USB avec power battery not included. Ouais. Mais si c'est un USB, je peut-être pas... Ouais, on peut mettre des piles aussi. On va regarder ça, j'ai un peu peur, mais je suis vraiment curieuse de voir comment ça peut marcher, quoi. Alors, là j'ai ça, ok. Donc déjà ça c'est la partie à diamanter, donc ça je sais. Alors il y avait plusieurs modèles. Mais il n'y a eu pas grand chose qui m'intéressait. Et en général, les éléphants, c'est pas mon délire. Mais là, ça rendait super bien avec les diamants. Je vais vous montrer les diamants après. Ça rendait vraiment super joli. Donc je me suis dit, allez, ça va changer un petit peu. On verra ce que ça donne. Alors, ça colle très bien. Il n'y a pas de souci. Donc là, en fait, c'est un petit carton assez fin, vous voyez. Qu'on doit diamanter à plat sur la table et après on viendra l'insérer dans notre miroir. Mais j'aimerais déjà avant voir tout mon bazar là, qu'est-ce qu'il y a, comment ça marche. Alors, bon déjà il y a bien un miroir. Alors, je vais vous le montrer, mais on va voir mon visage. Voilà, donc c'est bien un miroir. Alors ensuite, j'ai le câble qui pendouille en dessous, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aime pas avoir des câbles apparents comme ça, donc... Pourquoi le bouton il est pas en face? On ne peut pas le mettre en face, ok. Alors, comment ils font eux? Ils le mettent sur le côté. Ok, bon, bah, je le mets sur le côté. Bah, mais non, mais c'est moche, on voit le... Voilà, je vais le mettre comme ça, donc ça c'est le bouton. Ok, donc le miroir est assez grand, un peu cracra, mais assez grand. Et là du coup j'ai vu qu'il y avait un truc pour pivoter, je suis désolée, hein, je regarde comment ça marche. Change photo. Donc là vous voyez, il y a un petit loquet. Alors comment ça marche? Ah, il y a une photo de mariée intérieure. Je vois les LED aussi. C'est fort quand même. Ah, je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Alors attendez, je vais vous brancher la lampe. En fait, c'est une glace sans teint. Regardez de l'autre côté là. Voilà, là, vous, ça vous fait miroir. Moi, je vois à travers. Alors, attendez. Tchouk, je vais mettre notre truc quand même. Donc là, c'est une trappe. Ça serait bien que je le mette droit. C'est une trappe pour changer le dessin. Alors, en fait, je peux mettre n'importe quelle photo, quoi. Là, c'est du DP, mais... Ça me gave. Mais si je veux mettre une photo de mes enfants derrière, je fais ce que je veux, quoi. Hop. Donc là, c'est un miroir normal. Et je pense que... Attendez, j'ai une prise USB, là, normalement.
Vu que je tourne les vidéos avec mon vieux téléphone, je suis obligée de le brancher parce que la batterie, elle tient pas du tout. Hop. On va tester ça, tant qu'à faire. J'ai ma bouteille d'eau. Hop. Alors, c'est parti. Et ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, là, je l'ai mis de travers. Donc, je vous montre vite fait parce qu'après, vous voyez tout chez moi. Le miroir. Et là, vous voyez. En fait, le tour reste en miroir, mais on a le dessin à l'intérieur qui apparaît. Sans lumière, avec lumière. C'est trop fort quand même. Vous voyez en face là, j'ai préparé tout pour faire mes vidéos. Sans lumière, avec lumière, sans lumière. Voilà. Bah écoutez, je suis plutôt contente. Je vous avouerai que j'ai eu un peu peur au début. Mais là, je suis plutôt contente. Je pense que ça va faire quelque chose de... Oula, excusez-moi. Je pense que ça va faire quelque chose de joli. Et ça change, c'est vraiment nouveau. Alors, c'est pas donné. Hein. Il est où mon cahier? 18,07€, je l'ai vu sur le site de Cool Haul. Après, peut-être que sur Ali, c'est un petit peu moins cher. Mais je trouve c'est le système super sympa. Donc, franchement, ouais, je suis plutôt contente. Alors, du coup, je vous montre. J'ai un toolkit de base dedans avec des petits sachets. Donc, ça, c'est cool. Surtout avec les diamants spéciaux. Moi, j'aime bien. Donc, ça, faudra. Par contre, ça va être galère de le mettre bien droit derrière, quoi. Parce que du coup, on voit rien. Ou alors, il faudrait allumer la lampe pour mettre le truc droit. Donc, voilà la partie à diamanter. Donc, ça, je vous l'ai déjà montré. Et on va regarder... Ah, bah, d'accord. Bon, on a des sachets zippés. Et en plus, les diamants, ils sont quasiment tous en sachets zippés. Donc, là, là-dessus, on a ce qu'il faut. Alors, au niveau des diamants, on n'a pas énormément de couleurs. On en a 6. Donc le seul qui n'est pas en sachet zippé, ce sont des strass argentés, ceux-ci on les connaît. Voilà, ensuite le deuxième, ce sont des petites boules, enfin des ronds comme ça, un petit peu holographiques, un peu plus gros. Le troisième, on a la même couleur, mais avec des yeux de chat. Je suis désolée, j'ai bugué. Ensuite, quatrième, ce sont les mini-gouttes que j'ai horreur de poser, mais... dont le résultat fait vraiment très très joli. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir non plus énormément, donc ça va le faire. Cinquième, on a de nouveau des yeux de chat, mais ce coup-ci, ils sont rouge-orangé, on va dire. Voilà. Et enfin, le dernier, donc ça, c'est tous les gros verts qu'il y a autour. Voilà, ce sont des grosses gouttes comme ça, vertes. Et franchement, le mélange de toutes ces teintes et de ces formes, ça faisait vraiment joli sur le site. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de tester. Je vous promets rien, mais ça serait cool que j'essaye de faire une vidéo dessus. Qu'on le fasse ensemble et que je vous montre le résultat. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je suis tellement surbookée que... Bah, vous voyez, aujourd'hui, je travaille pas. Je vais consacrer ma journée à faire des vidéos, mais... c'est compliqué quoi, c'est vraiment compliqué, donc on va essayer, voilà, je vais essayer de faire la vidéo avec vous, mais je vous promets rien. Par contre, vous le verrez certainement, c'est sûr et certain que vous le verrez dans mes produits finis, mais je vais essayer de faire une vidéo avec vous, voilà, pour vous montrer. Donc je vous ai dit le prix, 18,07€, c'est assez cher, mais franchement c'est très original et je trouve ça vraiment, vraiment super sympa. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore merci à Cool Haul de m'avoir envoyé tous ces produits. Merci aussi pour le produit supplémentaire. Comme ça vous fait un cadeau pour vous. Donc n'oubliez pas de participer si vous le souhaitez. Et en attendant, bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, comme d'habitude, ou une belle soirée, selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut !